Nasser El Khelaifi, le président du PSG, n'est pas resté sans réaction à la provocation d'un ancien joueur, Neymar. Alors qu'il y a passé 6 ans, Neymar ne s'est pas gêné pour critiquer son ancien club du PSG. Parti il y a 2 semaines à peine, le Brésilien a déversé son venin sur l'écurie francilienne, confirmant le peu de respect qu'il avait pour l'institution et ses supporters. En déclarant avoir vécu l'enfer dans la capitale française, l'ancien Barcelonais a suscité le courroux de beaucoup de gens. Dans les médias, dimanche soir, ils ont d'ailleurs été nombreux à dénoncer son ingratitude. Nasser El Khelaifi, le patron du PSG, aurait pu en faire de même lorsqu'il a été questionné à propos de son ancien sociétaire suite au match de championnat contre Lyon. Mais le Qatari s'est abstenu. Plutôt que de céder à la provocation, il a choisi de la jouer subtile. « Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. » Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG, a-t-il lâché, faisant aussi allusion à Lionel Messi. La star argentine s'était également exprimée en mal à propos du club français dès lors qu'elle n'y était plus sous contrat. El Khelaifi a de quoi être déçu par le comportement de Ney. Il s'était montré très patient avec lui, en lui accordant notamment de nombreuses revalorisations salariales tout au long de son séjour du côté du Parc des Princes. Plutôt que des remerciements, il a droit à des critiques et à des coups de couteau dans le dos.